Il paraît que la tomate, de la graine au premier fruit, a besoin de 4 mois. C'est pas tout à fait vrai, ce sont des tomates qui ont 2 mois. Voilà, ils ont fleuri. Ce sont des tomates qui ont poussé toutes seules. Et il y a ceux-là qui ont commencé à donner des fruits. Qui ont poussé toutes seules, tout simplement parce que quand on fait les récoltes de tomates, qu'on a une tomate qui n'est pas très jolie à la vente, moi je ne les balance pas dans la poubelle, mais je les jette tout simplement dans les pots, dans les structures là. Et là, après la canicule, en novembre, avec les premières pluies, pouf, tout commence à pousser. On a quelques exemples, voilà. Ça, après 2-3 jours, il faut que je repique à nouveau. Voilà. Et déjà, regardez la taille. Il a à peine 10 cm et il commence à fleurir. Voilà un deuxième exemple. Voilà. Donc, rectification, la tomate pour donner du semis au premier fruit, entre 2 mois, voire 4 mois selon les régions.